ce webinaire régional du plan national dépérissement du vignoble. Ce soir sur le thème du dépérissement du porte-greffe 161-49. Alors le porte-greffe 161-49, c'est, vous savez qu'il est très apprécié en Bourgogne, souvent planté dans les terroirs les plus qualitatifs. On estime, même si les chiffres que je vous donne là sont assez anciens, qu'il occupe un peu plus de 10% de l'encépagement. Et dans un vignoble comme le nôtre, où le renouvellement est lent, son dépérissement pose de graves problèmes. Et c'est pourquoi le BIVB, l'interprofession, accompagne depuis 2019 le projet de recherche dont on va vous parler ce soir, et d'expérimentation. Et donc c'est pourquoi l'UMR Agroécologie de Dijon et la Chambre d'agriculture de Côte d'Or vont vous présenter leurs travaux ce soir. Avant de démarrer, juste sur la thématique des porte-greffes, en parallèle de tous ces travaux, il y a un important travail de synthèse et de bibliographie qui a été réalisé ces dernières semaines sur les porte-greffes, à la suite du programme Route Bourgogne, qui vise à identifier les porte-greffes français et étrangers les plus prometteurs pour la Bourgogne demain. Alors, c'est un dossier qui fait une cinquantaine de pages avec 20 porte-greffes et qui est disponible en ligne. Vous pouvez d'ailleurs le télécharger directement depuis le webinaire puisqu'on vous l'a mis en lien dans la console de GoToWebinar. Et il est aussi disponible en version papier si vous le souhaitez au BIVB. En complément, dans la console du webinaire, on vous a aussi mis à disposition la lettre dépérissement, un numéro de la lettre dépérissement de la Chambre régionale d'agriculture qui portait spécifiquement sur le 161-49 et le numéro spécial des cahiers du pôle technique qui portait aussi sur le dépérissement il y a quelques semaines. Vous savez tout et maintenant je laisse la parole aux experts. Alors, merci Héloïse pour la transition. Bonsoir à toutes et tous et avant toute chose, merci pour votre attention et votre présence, surtout dans ce contexte sanitaire et parcellaire, somme toute assez particulier. Donc, ce que l'on vous propose avec Pierre-Emmanuel et Thomas, c'est de faire ce webinaire en trois temps. Dans un premier temps, je vais me charger de vous présenter quelques éléments de contexte par rapport à cette problématique. Ensuite, je passerai la parole à Pierre-Emmanuel Courty pour qu'il vous présente plus à même ce que l'on fait dans le programme Aptitude. Et puis, dans un dernier temps, nous passerons la parole à Thomas afin qu'il puisse préciser un peu plus à même les expérimentations, notamment en termes de pratiques de fertilisation qui peuvent être conduites dans le projet Aptitude. Alors, si on regarde un petit peu pour les éléments de contexte, quelles sont les origines finalement du 161-49C? C'est un porte-greffe qui a été obtenu dans les années 1888 par Georges Couder à travers donc une hybridation réalisée entre le Vitis riparia, donc pour rappel, c'est une espèce qui est relativement sensible au calcaire, qui a une vigueur qui est faible à modérée, et puis qui a la particularité d'avoir une sensibilité à la tilose, en particulier dans les sols plutôt secs. Avec donc le Vitis berlandieri, qui lui a une plus grande résistance ou tolérance au calcaire, et qui va avoir une vigueur plus forte que celle du riparien. Donc si on regarde plus à même les caractéristiques du 161-49C, alors, vous le voyez pour les caractéristiques physiologiques ici, il va avoir une vigueur et un rendement conféré qui vont être faibles à moyen. Par rapport à l'adaptation au type de sol, il va être très sensible à l'humidité printanière, assez tolérant à la sécheresse estivale malgré le fait qu'il soit sensible à la tilose. Et puis, il va être tolérant au calcaire actif jusqu'à 25%, ce qui somme toute est déjà raisonnable. Donc, on va avoir un porte-greffe qui est qualifié de qualitatif, qui va avoir une bonne précocité, une bonne fertilité et qui demande donc des sous-sols frais et perméables pour être en adéquation finalement et exprimer le meilleur de lui-même. C'est un porte-greffe qui par ailleurs est sensible à l'asphyxie racinaire, donc il faudra faire attention de ne pas forcément être en sol du coup qui présente des zones d'hydromorphie. Donc, on l'a dit, porte-greffe très sensible à la tilose avec une implantation qui peut être difficile dans les sols maigres
et superficielle, sensible à l'humidité, donc à éviter en sol hydromorphe. Et finalement, ces recommandations peuvent déjà finalement faire suite à la problématique dans le sens où, dans certains cas, il est possible que ce porte-greffe ait été utilisé dans des contextes finalement pédoclimatiques qui ne lui étaient pas forcément favorables. Alors, ce que l'on voit par ailleurs, c'est qu'il existe 10 clones qui sont agréés, dont 5 qui sont à l'heure actuelle multipliés, le 170, le 171, le 176, le 197 et le 198, sachant que c'est le 198 qui est le plus fréquemment utilisé. Si on présente un petit peu le 161-49C en quelques chiffres, à l'heure actuelle, on estime qu'il y a à peu près 30 000 hectares qui sont plantés sur ce porte-greffe. Donc, si on se référencie aux données France Agrimaire de 2017, qui sont les plus récentes disponibles, la grande majeure partie des régions vitivinicoles l'ont utilisé. Donc, on voit en particulier hein, Champagne, Alsace, Bourgogne, Languedoc et les Charentes. À l'heure actuelle, le greffage est principalement sur Uniblanc et puis aussi on voit Colombard, puisque ce sont les Charentes qui restent du coup la région la moins problématique par rapport à ce dépérissement. Dans les autres régions vitivinicoles, le dépérissement est notable, voire fort. Donc, ce qui fait que ça se ressent aussi sur les espèces qui vont être greffées sur ce porte-greffe. On va retrouver, outre l'Uniblanc, Pinot Noir et Chardonnay, notamment pour la Bourgogne, Gewürz, Traminer, pour l'Alsace, et puis on retrouve un peu de Syrah, de Merlot également. Alors, la problématique de ce dépérissement, évidemment, a conduit à une diminution de son utilisation dans les assemblages. Et si on regarde les données chiffrées disponibles toujours par France Agrimaire, entre les années 2005-2006, où il était relativement utilisé, et puis les données actuelles, donc là qui datent de 2017, on voit qu'on a une diminution d'un facteur 4, finalement, de son utilisation dans les assemblages. Ça va se traduire également à l'échelle des surfaces des vignes mères, puisque l'on voit qu'entre les années 1960 finalement et puis 2015, on va avoir une diminution de plus de 80% finalement de ces surfaces. Si on en revient maintenant à l'expression du phénotype associé au dépérissement du 161-49C, ça se traduit, comme vous le voyez, par une chute de vigueur qui va être brutale avec une nanification et parfois la mort des souches. Donc ici, par exemple, sur cette photographie, vous voyez donc des cèpes d'apparence saine et puis sur le devant, ici, une lune de dépérissement pour laquelle donc la diminution de vigueur se traduit à la fois par une diminution de la hauteur de végétation et également par une diminution du diamètre des bois, sachant que, comme vous pouvez le voir, par rapport au diamètre des bois qui sont sur un cep non dépérissant, le cep dépérissant va présenter un diamètre qui est équivalent à celui d'un entrecœur sur le cep non dépérissant. De plus, on observe donc qu'il y a une accentuation annuelle du processus donc de dépérissement avec des fréquences de mortalité qui peuvent être importantes, hein, supérieures à 20%. Donc, nous, on le verra dans certaines parcelles, on monte jusqu'à plus de 60% de dépérissement. Et ça, évidemment, ça va être une problématique importante, notamment sur des parcelles jeunes qui vont devenir très rapidement économiquement non viables. Alors, autre point important, c'est que les cèpes qui sont symptomatiques vont le rester au cours du temps. Donc, on a un processus qui, contrairement à d'autres dépérissements où on voit des expressions qui peuvent être millésimes dépendants, cette fois-ci, on va avoir un processus qui va être durable dans le temps, c'est-à-dire qui n'est pas temporaire. Pour les premiers signes de dépérissement, si on s'en réfère à la phénologie de la plante, ces premiers signes apparaissent généralement au moment de l'allongement des rameaux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui apparaît dès le débourrement, c'est un tout petit peu plus tardif, avec donc une vigueur qui apparaît fortement impactée dès la mi-mai et pendant tout le restant du cycle végétatif. Ça se traduit également par une faible fertilité. On observe généralement de petites grappes qui ne vont pas être utiles à la récolte puisqu'en règle générale, elles sont peu ou mal verrées.
Alors, les travaux de l'IFV, et en particulier de l'IFV Gros-du-Roi et également de Montpellier Supagro, à travers les équipes respectives de Laurent Torregrosa et Anne-Sophie Spilmont, ont caractérisé finalement les répercussions physiologiques qu'on pouvait avoir de manière discriminante entre un CEP asymptomatique et un CEP dépérissant. Ce que l'on observe classiquement dans un CEP asymptomatique, c'est que finalement, on va avoir beaucoup d'amidon, ce qui est classique hein, pour les réserves carbonées, dans le continuum partie aérienne, partie racinaire, à l'échelle des parties pérennes de la plante. Donc, que ce soit les sarments, les boîtes de zinc, la charpente à l'échelle du greffon, et puis évidemment, la charpente et surtout les racines à l'échelle du porte-greffe. Donc l'accumulation racinaire ici va être d'autant plus importante qu'elle va permettre finalement de faciliter le débourrement à l'échelle du cycle végétatif suivant. On remarque également qu'on a peu ou pas de polyphénol à l'échelle de ce CEP et que globalement les flux xyléméens sont évidemment fonctionnels puisqu'on n'a quasiment pas de thyl dans ces tissus. A contrario, quand on regarde ce qui se passe à l'échelle d'un CEP dépérissant, on voit qu'on va avoir un blocage des ressources carbonées dans la partie aérienne. Donc, on n'a plus d'accumulation d'amidon dans la partie racinaire. Et ça peut notamment expliquer la symptomatologie de nanification ou de mauvais développement racinaire, c'est-à-dire finalement de perte de vigueur du végétal, puisqu'on a une mise en réserve notamment racinaire, qui ne s'effectue plus. En prime, à l'échelle des racines, on voit qu'à contrario, on va avoir une accumulation de polyphénol, ce qui va avoir tendance à signifier qu'on a donc un stress qui est perçu à l'échelle du végétal à ce niveau-ci. De la même manière, on va observer qu'il existe à l'échelle racinaire et également de la charpente finalement du porte-greffe, la présence d'événements de thylose, donc qui va considérablement impacter le flux xylémien qui va naviguer entre la zone racinaire et la partie aérienne. Donc, si on regarde plus à même ce qui a été décrit par ces auteurs, on voit que dans les vaisseaux du xylème, ici, on va observer la présence de thyls qui vont être des structures finalement pérennes. Donc, on n'a pas de perte ensuite hein, de ces structures. On n'a pas la possibilité d'avoir de digestion, par exemple, de ces structures. Et ça va impacter donc, le transit de la sève brute entre les parties souterraines et les parties aériennes. En prime, dans ces études, il a été également montré qu'il y avait des dysfonctionnements des assises méristématiques secondaires et en particulier de l'assise subérophélodermique avec, donc ici, vous le repérez ici, plusieurs assises qui se mettent en place en parallèle, en place d'une seule, ce qui va se traduire phénotypiquement par la présence d'une écorce épaisse, irrégulière et non adhésive, donc ce qui va expliquer le caractère finalement spongieux des racines qui vont être observées dans les ceps dépérissants. Évidemment, plusieurs hypothèses ont été émises par rapport à l'origine de ce dépérissement et un certain nombre d'entre elles ont déjà été éprouvées par différents partenaires. La première, évidemment, a concerné le matériel végétal, à savoir, est-ce que il y a un effet clone à l'échelle du porte-greffe par rapport à ce dépérissement et est-ce qu'il peut y avoir un impact du greffon sur l'intensité de ce dépérissement? Donc, à travers des observations, des enquêtes, l'IFV en particulier Gros-du-Roi et des chambres d'agriculture, que ce soit celle de l'Aude ou également celle de Côte d'Or, ont permis de conclure qu'il n'y avait visiblement pas de corrélation entre le matériel végétal et l'intensité du dépérissement. Une autre hypothèse qui a été éprouvée était celle de l'origine d'une pathologie finalement virale, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, on a des lunes de dépérissement qui pouvaient faire songer par exemple à une problématique virale. Donc des tests d'assainissement ont été effectués notamment par la chambre d'agriculture de l'Aude et là encore, il n'y avait visiblement pas de corrélation évidente entre une origine pathologique et ce type de dépérissement.
Le taux de reprise du greffage a également été évalué par l'IFV Gros du Roi. Là encore, pas de corrélation forte, bien que certaines anomalies dans la formation des racines aient déjà pu être observées dès ce stade de reprise au greffage. Le lien avec le statut hydrique a également été éprouvé à travers des expérimentations qui ont été conduites en écotron par l'IFV Gros du Roi et Supagro Montpellier. À travers donc, au sein de ces expérimentations, à travers l'alternance de phases d'apport d'excès d'eau ou à contrario de stress hydrique, il n'a pas été possible de reproduire des symptômes du dépérissement tels qu'ils sont classiquement observés. Dans ce contexte, donc, il n'y aurait pas de corrélation évidente et monofactorielle entre le statut hydrique et l'intensité du dépérissement. Le lien avec la compaction du sol a également été éprouvé à travers des enquêtes, notamment IFV Gros du Roi et Chambre d'agriculture de Côte d'Or, à travers également une expérimentation par la conduite d'analyse de sol ou de fosse sur une quinzaine de parcelles. Et là encore, le lien n'a pas été évident, bien que des tendances se soient dessinées. À travers donc ce type d'enquête, il apparaît que même si le porte-greffe évidemment est un facteur prédisposant, la variété du porte-greffe serait donc évidemment un facteur prédisposant, il n'en reste pas moins qu'il existe des facteurs aggravants. Et de ces enquêtes est sorti le fait que l'un des facteurs aggravants les plus forts est possiblement la nature du sol. Et à travers la nature du sol, on parle évidemment de contexte textural, en particulier la possibilité d'avoir des zones de compaction, évidemment de statut hydrique également, plutôt de régime hydrique. On observe classiquement que les parcelles qui ont le plus tendance au dépérissement sont celles qui ont soit une réserve utile faible, soit à contrario des zones d'hydromorphie. Donc une tendance à avoir un aspect asphyxiant du système racinaire. Et puis dernier point, les caractéristiques chimiques du sol, puisqu'en fait il a été rapporté qu'il n'était pas rare de trouver des symptômes de carence potassique en marge des lunes de dépérissement. Et puis également que sur les composantes du sol, on avait souvent un ratio C sur N qui pouvait être assez élevé, qui avait tendance à laisser présager du coup d'une mauvaise minéralisation azotée, en tout cas d'une cinétique qui pourrait être ralentie. Donc quand on regarde finalement les hypothèses qui restent à explorer, pour le sol, vu que c'était des tendances, mais que ce n'était pas significatif à l'échelle statistique, il reste encore des pistes à explorer en augmentant le réseau de parcelles pour augmenter donc l'échantillonnage considéré. Donc évidemment, un aspect associé aux caractéristiques physico-chimiques et en particulier la biodisponibilité, donc pas seulement la teneur, mais la biodisponibilité en éléments minéraux clés, particulièrement l'azote et le potassium, et puis également ces cinétiques de minéralisation. À l'échelle du végétal, on peut se demander quel serait l'impact finalement de la physiologie radicellaire, puisque à l'heure actuelle, ce qui a été fait, c'était sur les racines plutôt âgées, donc celles qui sont impliquées dans la mise en réserve des ressources carbonées. Maintenant, les radicelles ont un rôle clé également, puisque ce sont elles qui sont responsables des prélèvements en ressources hydriques et minérales. Dans un contexte d'évolution climatique dans lequel on peut observer des contraintes hydriques à répétition ou des événements pluvieux qui peuvent être assez proches de zones finalement pour lesquelles on va avoir une rétention d'eau à un moment donné de manière ponctuelle, ça peut faire partie des facteurs impactants. Et puis, dernier point et non des moindres, c'est qu'il est fort probable également que, outre d'avoir un événement qui soit unifactoriel, on aurait plutôt quelque chose qui soit multifactoriel, c'est-à-dire que ce soit finalement l'ensemble de ces facteurs qui s'imbriquent les uns dans les autres pour conduire à l'intensité de ce dépérissement. Alors, on peut se demander légitimement, finalement, pourquoi poursuivre les recherches sur ce porte-greffe alors qu'on pourrait décider d'arrêter complètement l'utilisation de ce dernier. Plusieurs points par rapport à ça. D'abord, sur certaines parcelles, ce n'est pas problématique
ou en tout cas pas encore. Donc, on a un certain nombre de parcelles qui sont toujours plantées en 161-49C avec certains professionnels qui souhaitent continuer d'utiliser ce porte-greffe à des finalités qualitatives. En prime, on a certaines parcelles qui sont encore jeunes et qui sont en production. Donc, évidemment, ce serait quelque part dramatique d'envisager un arrachage à ce stade. Donc, dans un premier temps, il est important de comprendre pour essayer, tant que faire se peut, de remédier à cette problématique. Donc ça, ça passe évidemment par une phase de diagnostic, en particulier diagnostic nutritionnel et physiologique, par une phase d'expérimentation pour essayer de déterminer si des mesures correctives pourraient permettre d'enrayer ou de limiter ce processus de dépérissement, pour à terme envisager une préconisation d'utilisation un petit peu affûtée par rapport à ce porte-greffe. Deuxième point, comprendre pour anticiper, en particulier anticiper des processus de dépérissement qui pourraient arriver sur d'autres porte-greffes. Si on reprend un petit peu le schéma d'obtention du 161-49C, on voit que dans ce schéma d'obtention, il existe une fratrie finalement de porte-greffes et que le 161-49C est issu d'un même croisement que par exemple le SO4, le 5BB ou le 420A. Donc, on peut légitimement penser que les observations qui sont faites sur le 161-49C pourraient potentiellement se traduire à plus ou moins long terme sur cette fratrie qui présente parfois des caractéristiques ou des sensibilités relativement proches, notamment par exemple à l'échelle de la sensibilité à la tylose. Donc, je vais maintenant passer la parole à Pierre-Emmanuel Courty pour qu'il vous présente plus à même le projet Aptitude. Bonsoir à tous. Alors, au sein du projet Aptitude, nous avons quatre financeurs que sont la région Bourgogne-Franche-Comté, le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, mais également l'association technique viticole de Bourgogne et les pépinières Guillaume. Alors, ce projet Aptitude est né sous l'impulsion des viticulteurs bourguignons et ce projet, à l'échelle régionale, se veut intégratif et transdisciplinaire. Donc, hormis les partenaires académiques, que sont les chercheurs de l'Université de Bourgogne, d'INRAE, de l'Institut universitaire de la vigne et du vin, nous avons l'ensemble des instituts techniques, que sont l'ATVB, les chambres d'agriculture, mais également le laboratoire SEMS pour tout ce qui est analyse de sol. Nous avons également les acteurs de la profession, que sont les pépinières Guillaume, mais bien évidemment l'ensemble des viticulteurs qui sont impliqués en tant qu'acteurs et partenaires intégrants de ce projet. Alors, comme vous l'a mentionné Sophie tout à l'heure, nous observons des modifications physiologiques liées justement au dépérissement du 161-49C avec des sucres qui peuvent s'accumuler au-dessus du bourrelet de greffe et des polyphénols, eux, qui vont s'accumuler au niveau des racines. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est existe-t-il des corrélations entre la nature physico-chimique des sols et la biodisponibilité de certains éléments et l'intensité du dépérissement ? Et plus particulièrement, nous sommes focalisés sur deux éléments du sol que sont l'azote et le potassium. Alors, je vous rappelle que le sol n'est pas uniquement un support pour la croissance de la vigne ou pour n'importe quelle autre plante, c'est également une ressource en eau et en nutriments. Alors, pourquoi l'azote et le potassium plus particulièrement? C'est tout simplement que ces deux éléments sont co-absorbés par la plante, comme vous pouvez l'observer sur ce schéma, avec le potassium et l'azote assimilés au niveau racinaire. Ils sont transportés par les vaisseaux du xylème jusqu'aux parties aériennes, où à ce moment-là, le potassium et l'azote se séparent, mais l'azote, lui, part au niveau des parties aériennes. Le potassium, lui, est réutilisé et est couplé avec des molécules carbonées que sont le malate, qui peut, lui, redescendre au niveau des racines et plus tard, ce carbone pourra également être mis en réserve. Alors, au sein de ce projet Aptitude, celui-ci est structuré en trois grandes actions complémentaires avec l'action 1 et l'action 2 qui participent tout d'abord à une phase de diagnostic. Dans un premier temps, nous sommes partis sur un réseau de parcelles, de 60 parcelles, dont l'objectif était de savoir s'il existait ou non des corrélations entre la prévalence du dépérissement et les composantes du sol.
Alors pour cela, nous avons déterminé des parcelles à la fois en Bourgogne, donc 20 en Côte d'Or, 20 en Saône-et-Loire et 10 dans l'Yonne, mais également 10 en dehors de Bourgogne. L'objectif était sur un nombre cette fois-ci plus réduit de parcelles, de travailler toujours sur ces indices de prévalence, sont-ils toujours liés ou pas avec les composantes du sol. L'objectif étant d'essayer de gommer l'effet millésime pour éviter tout impact, tout aléa du climat. Et enfin, la dernière phase que vous présentera tout à l'heure Thomas, c'est la phase d'expérimentation sur des parcelles qui sont fortement touchées ou sur des parcelles plus faiblement touchées. Alors, comment a-t-on sélectionné ces parcelles? Alors, tout d'abord, nous nous sommes bien évidemment focalisés sur un porte-greffe unique, qui est le 161-49C, et nous avons essayé de chercher des parcelles avec des taux de dépérissement variables, compris entre des parcelles, on va dire, non dépérissantes, avec pas du tout de dépérissement, de l'ordre de 0, jusqu'à un niveau de dépérissement assez fort, de l'ordre de 60%. Il fallait aussi, en termes de critères de sélection des parcelles, que nous puissions tracer l'origine du matériel végétal et aussi avoir un historique des pratiques, mais également des fertilisations. Et aussi, l'objectif était d'avoir des parcelles qui provenaient d'exploitants différents, ce qui nous permettait, au bout du compte, d'avoir des parcelles situées dans des conditions pédoclimatiques complètement différentes. En ce qui concerne l'échantillonnage au niveau des parcelles, comme mentionné précédemment, au départ, nous avons un lot de 60 parcelles, 20 en Côte d'Or, 20 en Saône-et-Loire, 10 dans l'Yonne et 10 en dehors de la Bourgogne. Celles-ci sont situées dans l'Aude. Et la première chose a été de faire des prélèvements à la fois dans les horizons supérieurs, donc dans le sol, dans l'horizon 0-30 cm, mais également au niveau du sous-sol, dans la partie 30-60 cm. Ensuite, ces sols et sous-sols récupérés ont été analysés. La physico-chimie, mais également l'azote minéralisable, ont été analysés par les partenaires techniques que sont le SEMS et le laboratoire César. Avec, au niveau justement de la Côte d'Or, une particularité, c'est que l'ATVB a également, sur ces 20 parcelles de Côte d'Or, pu faire des mesures de pénétrométrie. En ce qui concerne le diagnostic sur le réseau de parcelles, nous avons mis en place une fiche d'aide à la décision de manière à ce que les différents acteurs, qu'ils soient placés en Bourgogne ou en dehors de la Bourgogne, puissent avoir une même ABAC, un même référentiel justement pour la notation de ces parcelles. Quatre niveaux de dépérissement ont ainsi été définis. Le premier niveau, qui est le niveau 0, pour lequel nous n'avons observé aucun dépérissement. Nous avons des cèpes avec des baguettes et des coursons, et on observe un développement correct des sarments. Le niveau 1, avec peu de dépérissement, présence d'une baguette, mais d'un développement anormal des sarments, et avec un rabougrissement du cep. Le niveau 2, avec un dépérissement total de la souche, pas de baguette, un rabougrissement complet des sarments. Et enfin, le niveau 3, avec des cèpes manquants, mort ou après où on a du repiquage. Voici par exemple une fiche parcelle, une cartographie de la parcelle sur laquelle nous avons essayé d'obtenir le maximum d'informations. Bien sûr, une photo satellite avec les coordonnées GPS. Des photos ont été prises à l'intérieur des parcelles dans différentes zones. Et vous avez ici sur la droite la cartographie où le niveau présenté juste avant, donc de 0 à 3, a été donné pour chacun des cèpes de la parcelle. Au sein de cette parcelle, nous avons donc fait des prélèvements de sol à différents endroits. Nous avons d'abord des prélèvements qui sont faits pour avoir une idée globale, une idée moyenne de la parcelle. Ce sont les croix noires que vous observez ici sur cette cartographie. Donc 9 prélèvements qui permettent d'avoir une idée justement de la composition physico-chimique et de l'azote minéralisable au sein de la parcelle. Puis au sein même de la parcelle, nous avons dessiné deux sous-parcelles. Une première sous-parcelle qui est une sous-parcelle dépérissante, ici qui est détourée en orange, au sein de laquelle nous avons fait 5 prélèvements de sol. Et une autre sous-parcelle qui est une parcelle non dépérissante, au sein de laquelle nous avons également fait 5 prélèvements de sol, ici matérialisés par les triangles de couleur blanche. Au niveau de la cartographie, justement cep à cep de la parcelle, nous avons donc l'intensité globale du dépérissement de la parcelle. Vous observez ici clairement
en vert qu'il y a 63% de cèpes qui ne sont pas dépérissants. Par contre, nous avons un dépérissement de l'ordre de 30%, qui est dans le cadre à nous de notre échelle, dont je vous rappelle que l'on souhaitait des parcelles de dépérissement allant de 0 à 60%. 30% représente pour nous un dépérissement moyen, mais bien sûr pour un viticulteur, c'est déjà un dépérissement qui est énorme. Et si ensuite vous regardez les dessous parcelles que nous avons sélectionnées, celles qui étaient localisées dans la parcelle, dans la sous-parcelle de dépérissement, vous observez qu'il y a quasiment 97% de pertes, puisque seulement 3 cèpes sont encore viables, alors que dans la parcelle qu'on va dire témoin, la sous-parcelle témoin dans laquelle il y avait peu ou pas de dépérissement, on se retrouve à plus de 80% de cèpes qui ont une apparence non dépérissante. Alors, en ce qui concerne le diagnostic sur ces parcelles, alors donc je vous rappelle, hein, 60 parcelles ont été analysées la première année au niveau de tout ce qui est analyse physico-chimique et aussi de l'azote minéralisable. Et ensuite, sur un certain nombre de parcelles ciblées, donc sur un sous-échantillonnage, nous sommes focalisés, comme vous l'a mentionné Sophie tout à l'heure, sur les racines fines. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que ce sont celles qui permettent justement d'aller récupérer l'eau et les minéraux du sol. Donc sur ces racines, quels sont les traitements qui ont été faits ou quelles sont les analyses, mesures faites? Tout d'abord, les analyses en microscopie pour regarder s'il y avait des dysfonctionnements structuraux. Et ensuite, l'objectif était de voir si on observait des déséquilibres populationnels, mais également fonctionnels au niveau de ces racines. Donc, en regardant un petit peu, en quantifiant et en regardant justement les différentes populations microbiennes. Alors, derrière le mot microbe, on entend à la fois les populations bactériennes, mais également les populations de champignons, les populations fongiques. Et hormis ces populations fongiques, mais également ces populations microbiennes, nous sommes également focalisés sur des mesures de métabolites, à savoir est-ce que nous avions des métabolites qui s'accumulaient ou qui disparaissaient lorsque nous étions dans le cas de cèpes qui étaient dépérissants ou de cèpes qui étaient non dépérissants. Alors, ce projet Aptitude est en lien direct avec un projet que nous portons avec Sophie qui s'appelle le projet Holoviti et qui est financé dans le cadre du plan national de dépérissement. Et dans le cadre du PNDV de ce projet Holoviti, nous travaillons avec le château de Marsanais, donc qui est situé en Bourgogne. Et nous travaillons donc sur ce dépérissement, sur différents types de dépérissement. Et donc, nous avons le dépérissement lié au 161-49C, le dépérissement lié à l'ESCA au Cournouet. Et donc, dans le cas présent, bien sûr, on se focalise que sur le 161-49C. Nous avons travaillé sur des couples de cèpes, comme vous l'observez ici sur cette image, avec ici sur la droite un cèpe qui est sain, et ici sur la gauche, on le voit très bien, un cèpe qui est rabougri, qui est dépérissant. Alors, qu'est-ce que l'on a fait? On a joué un petit peu à la pelleteuse, histoire de regarder un petit peu comment se comportait in situ le système racinaire. Et vous observez ici le système racinaire de ces deux cèpes, ici le cèpe dépérissant et ici le cèpe dépérissant. On observe que pour le cèpe qui est non dépérissant, on a des racines qui plongent jusqu'à 60 cm dans le sol, avec une grande majorité des racines présentes dans l'horizon 0,40. Par contre, dans le cadre du cep qui était dépérissant, on remarque que les racines sont principalement localisées dans l'horizon supérieur, donc dans le sol, entre 0 et 30 cm. Et donc, toujours pareil, nous, lors de cette excavation de cep, bien sûr, nous sommes focalisés sur les racines primaires et secondaires, qui, comme l'a mentionné Sophie, sont intéressantes pour tout ce qui est réserve carbonée. Nous nous sommes aussi focalisés sur ces racines fines qui permettent justement tout ce qui est nutrition hydrique et nutrition minérale de la vigne. Donc ici, vous voyez très bien une cartographie d'un de ces cèpes de vigne où on observe que la grande majorité effectivement des racines, notamment des racines fines, se situent dans l'horizon supérieur entre 0 et 40 cm. Les racines un peu plus grosses, primaires et secondaires, qui vont plonger jusqu'à 60 cm et avec quelques racines qui peuvent vraiment plonger plus profondément en fonction si le sous-sol est plus ou moins profond. Une fois de retour au laboratoire avec nos racines, mais également avec nos cèpes dépérissants et non dépérissants, nous avons débité les cèpes de manière à avoir une vision de la morphologie de ce cep à l'intérieur.
Et comme vous pouvez l'observer sur ces deux images, vous avez ici à gauche un cèpe d'apparence saine et ici à droite, vous avez un cèpe qui est dépérissant. D'un point de vue morphologique, on n'observe pas de différence et même notamment ici, sous le bourrelet de greffe, on observe peu de différence morphologique. Et donc, une fois ces cèpes coupés en deux, nous avons fait des prélèvements pour faire à la fois de la diversité microbienne. Donc, je vous rappelle, derrière le mot microbe, ce sont les bactéries et les champignons, mais également de savoir si derrière ces microbes, il y avait des fonctions qui étaient présentes ou des fonctions qui étaient absentes. Et nous avons également regardé s'il y avait accumulation ou disparition de certains métabolites qui peuvent être soit d'origine végétale, donc d'origine de la vigne, ou d'origine des microbes qui sont associés à ce cep. Et pour cela, nous avons fait différents types de prélèvements tout au long du cep, que ce soit dans le porte-greffe ou dans la partie supérieure, dans des zones qui sont saines, mais également dans les parties nécrosées. Actuellement, les données sont en cours d'acquisition et malheureusement, je ne peux pas vous présenter de données pour le moment, mais elles viendront très prochainement. Alors, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, on a une partie expérimentation dans ce projet Aptitude et c'est Thomas qui va vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne. Merci Pierre-Emmanuel. Donc, bonsoir à tous. Moi, je vais vous présenter tout ce qui est partie expérimentation. Donc, ça va se diviser en deux. Il va y avoir une partie essai sur des complantations, donc sur des jeunes plants, et puis également un essai sur les vignes en place. Est-ce que le diapo… Je n'ai pas défini le diapo. OK. Donc, sur l'essai complantation, on vise à avoir l'efficacité du potassium en supplémentant les pieds lors de leur implantation. Donc, on a choisi 5 parcelles issues du réseau d'observation qui a été cartographié par la TVB. Donc, comme vous pouvez le voir… Sur la carte, vous avez deux parcelles qui se situent à Marsanais, une sur Vosne-Romanée, une sur Alos-Corton et puis une sur Centenay. Ces essais ont été faits dans les zones qui ont été cartographiées les plus marquées par le dépérissement, donc par la note numéro 3. Donc, comme vous le voyez ici, hein, c'est ce que Pierre-Emmanuel a présenté tout à l'heure. Donc, la zone qui a été cartographiée en orange représente la zone qui est marquée le plus par le dépérissement. Donc, dans cette zone-là, ont été implantés 50 plants de 161-49 fournis par les pépinières Guillaume. Donc, deux pinots noirs, deux clones 115 en pot. Sur ces 50 plants, 25 ont été fertilisés. Donc directement en fait dans le trou, juste avant l'implantation, avec 300 unités par hectare de sulfate de potassium, ce qui représente à peu près 60 grammes par pied. Donc le produit, c'est du calisop, hein, qui est très fortement concentré en potassium, qui est 50% concentré en potassium. On a ajouté 60 unités d'azote sous forme organique, via le produit UON 10-2-1, donc concentré à 100 unités d'azote à la tonne au printemps, afin d'aider l'assimilation du potassium, et 25 témoins. Donc, l'azote a été mis il y a 2 semaines pour question d'assimilation. Et le but, donc, c'était de faire des placettes de 5 pieds consécutifs dans la zone cartographiée, lorsque c'est possible, ou de proche en proche. Comme vous le voyez ici, hein, le but donc, c'est d'avoir des pieds qui sont notés 3. Le problème de ces pieds qui sont notés 3, c'est qu'il y a aussi des complants qui ont été faits par les viticulteurs. On a essayé, dans la réalité du terrain, de faire des placettes de 5, mais ce n'était pas forcément possible, puisqu'il y avait déjà des repiquages qui avaient été faits. Donc, sur la partie gauche, sur la photo gauche, vous voyez en fait là l'idéal. Donc, vous avez bien les 5 plants consécutifs. Donc ici, en rose, ce sont ceux qui ont été fertilisés. Et puis là aussi, 5 pieds consécutifs, ici en vert, qui n'ont pas été fertilisés. Donc de proche en proche, hein, il y a 1 mètre d'écart entre les pieds.
Donc ça, c'est l'idéal. Malheureusement, ça n'a pas été tout le temps le cas. Dans les mêmes parcelles, on pouvait avoir ce genre de disposition. C'est-à-dire que vous avez ici donc 3 pieds non fertilisés et puis ici 3 pieds fertilisés. Donc ce n'est pas des placettes de 5, mais c'est des placettes de 3 et elles sont relativement proches les unes des autres. Pour la suite, il va y avoir une notation donc pied par pied des complants selon l'échelle qui avait été établie par la TVB. Donc si possible sur 7 ans minimum. Des analyses de racines seront faites donc par l'UB et l'INRAE, comme l'a expliqué tout à l'heure Pierre-Emmanuel. On va avoir un retour des viticulteurs par rapport à leur ressenti sur la pousse, sur la taille, sur tout ce genre de choses-là, sur le comportement général des plants fertilisés versus témoins. Et on apportera une fertilisation qui sera adaptée en fonction de l'équilibre potassium et magnésium. En fonction des résultats qui ont été faits en 2020 par la TVB, prélevés par la TVB. En ce qui concerne les vignes en place, donc là encore, on teste l'efficacité du potassium sur les pieds qui sont déjà installés. Donc, on a réalisé 2 essais sur les parcelles, là encore, du réseau d'observation. Ce sont 2 parcelles qui sont aussi concernées par des essais de complantation. Donc, vous avez celle qui est sur Vosne-Romanée et celle qui est sur Saint-Pinet. Donc là, à l'inverse des complants, on a intégré ces essais-là dans la partie cartographie non dépérissante. Donc, ça a été relativement compliqué de mettre en place ce genre d'essais-là du fait d'une numérotation relativement hétérogène et par souci de faire des placettes. On a eu du mal à trouver des parcelles qui permettaient de réaliser ces placettes de pieds consécutifs. Donc c'est pour ça qu'on s'est porté que sur 2 parcelles. Là encore, 25 pieds fertilisés avec donc 300 unités de sulfate de potassium, donc avec le même produit à l'automne. Ils ont été mis à l'aide d'une tarière manuelle et on a apporté encore 60 unités d'azote sous forme organique au printemps afin d'aider de l'assimilation du potassium. Et donc, on va avoir aussi 25 témoins qui sont non fertilisés. Donc, en image, ça donne ça. On a donc fait des trous à la tarière jusqu'à 30 cm dans lesquels on est venu mettre notre sulfate de potasse, c'est des petites billes blanches que vous voyez. Et puis, donc au printemps, on est venu mettre nos petits bouchons d'azote qu'on a enfouis pour permettre leur minéralisation. Donc, comme je vous le disais, c'est le même principe que pour l'essai complantation. On a essayé de faire des placettes de 5 pieds consécutifs quand c'était possible, ou de proche en proche. Et donc là, bah, vous avez l'exemple de la parcelle de Santenay, où vous aviez une zone qui est, qu'on voit, relativement homogène en termes de notation. Donc, on voit des zéros très de proche en proche. La problématique, c'était qu'il fallait mettre ces placettes-là relativement proches des zones qui ont été analysées. Et donc là, vous voyez les prélèvements de sol qui ont été faits en vue des analyses de sol. Donc il fallait bah, mettre les essais de ces placettes-là relativement proches de façon à avoir une référence. Donc vous voyez, on n'a pas forcément 5 pieds consécutifs, ici on n'en a que 2, mais globalement, on arrive bah, à mettre en place le dispositif. Pour la suite de l'essai, là encore, on aura une notation pied par pied des témoins et des pieds fertilisés, donc selon l'échelle qui avait été mise en place par la TVB, hein, une notation, donc on le rappelle, un 0, 1, 2 et 3. Analyse des racines, retour des viticulteurs sur le comportement de ces pieds-là. Et là encore, une fertilisation qui sera adaptée pour viser un équilibre entre potassium et magnésium, qui permettra une assimilation non, on va dire, influencée de l'excès de magnésium vis-à-vis du potassium. Donc, pour conclure sur ce projet, on a bien vu que c'était un dépérissement qui était relativement complexe. Beaucoup d'hypothèses ont été écartées, mais ce sont, entre guillemets, des mono-hypothèses. D'autres restent à prouver. Notamment en regardant si on n'a pas ben, plusieurs facteurs qui pourraient expliquer ce dépérissement-là. Le sol semble être un facteur clé, de fait, d'être un support de la nutrition pour les pieds.
Certaines pratiques peuvent être à revoir et adapter, notamment par rapport à des préparations de sol. On a des engins qui sont de plus en plus lourds et qui ont des gros impacts sur le tassement de sol et la mise à disponibilité des éléments dans le sol, et aussi de la fertilisation vis-à-vis de certains équilibres au niveau des éléments du sol. Donc, merci de votre attention. Et puis alors maintenant, je pense qu'on va passer aux questions. Oui, merci beaucoup à tous les trois pour ces éléments très clairs et complets sur ce dépérissement. Alors, on a quelques questions. Une première qui revient sur ce que disait Thomas sur le sol, une hypothèse forte du sol. Est-ce qu'une toxicité au cuivre pourrait être une cause de ce dépérissement ou en tout cas un facteur aggravant? Alors, c'est une bonne question. Sur les analyses de cuivre, il y a des parcelles qui sont conduites en bio et d'autres qui ne sont pas conduites en bio. On aurait tendance à dire de prime abord que pas forcément. Après, il faudrait pousser l'analyse pour voir si effectivement ces pieds pourraient être influencés par la présence d'une quantité importante de cuivre dans les sols. Sophie, tu veux ajouter quelque chose? Oui, pardon, j'avais coupé mon micro. Si je peux juste ajouter quelque chose, c'est qu'effectivement, donc, ce sont des dosages qui ont été effectués hein, sur les 60 parcelles. Donc, on est évidemment en train de traiter les données d'un point de vue statistique. Et ça n'a pas l'air si évident que ça dans un premier temps, mais ça mérite d'être répété, puisqu'évidemment, on va s'intéresser à ce facteur-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas forcément une évidence qu'il y ait, en tout cas, s'il y a des corrélations, ce n'est pas forcément avec une toxicité du cuivre. Mais ça reste à éprouver, et il est trop tôt encore pour l'heure pour pouvoir donner des indicateurs à ce niveau-là. Merci. C'est un dépérissement qui met combien de temps à apparaître? Et est-ce que c'est quelque chose qui a été observé depuis le début de l'utilisation de ce porte-greffe ou est-ce que c'est un phénomène récent? Alors, en fait, en règle générale, ça apparaît de ce que l'on peut trouver, hein, donc notamment de ce qui a été défini dans l'article de Laurent Torregrosa et Sophie Spilmont. C'est un dépérissement qui a tendance à apparaître à partir de la quatrième feuille. C'est pas quelque chose qui, à ma connaissance en tout cas, a été rapporté dès les premières utilisations du porte-greffe, donc ça aurait plutôt tendance à être quelque chose qui est relativement récent. Bon, ça fait quand même plusieurs dizaines ou vingtaines d'années que c'est désormais référencé, mais on peut pas dire que ça a été observé dès les premières utilisations de ce porte-greffe. Thomas, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, non, tu as complètement raison. Bon, c'est un porte-greffe qui est utilisé quand même depuis plusieurs dizaines d'années. Pour autant, on n'avait pas autant de problèmes qu'on peut le connaître à l'heure actuelle. Et des manifestations de symptômes de plus en plus précoces où on recense dans certaines parcelles, comme tu disais, au niveau de la quatrième feuille, déjà des symptômes et des forts symptômes déjà très tôt. Comparé à il y a plusieurs dizaines d'années où finalement on ne recensait pas forcément ce problème-là aussitôt. C'est vrai que ça s'accentue effectivement sur les derniers millésimes. Ça fait le lien avec une autre question, une question racine. Avez-vous testé l'hypothèse d'exudat racinaire qui serait produit par le pied lui-même et donc toxique pour ses racines? Et qui serait sécrétée suite au dernier bouleversement climatique. Alors, c'est vrai que typiquement, avec Pierre-Emmanuel, on s'est déjà posé ce type de questions et ça peut rester tout à fait pertinent comme hypothèse. La problématique à laquelle on doit faire face, c'est que récupérer des exudats racinaires dans un sol agricole, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. On ne travaille pas sur les exudats. En règle générale, hein, le travail sur les exudats, il se fait plutôt en rhizotronc, dans des conditions semi-contrôlées. Et là, le faire en parcellaire, en fait, comme on a des quantités infimes et qui sont diluées à l'échelle de la rhizosphère, c'est extrêmement compliqué
pour avoir un échantillonnage qui soit représentatif. Et derrière, on est généralement sous le seuil de détection des analyses qui vont référencer ce type d'exudat. Donc, on fait face à une impasse finalement méthodologique. C'est tout à fait pertinent, mais on est dans l'impasse méthodologique pour pouvoir le caractériser. Une question sur l'arbre génétique que tu as présenté, Sophie. Est-ce que le lien de parenté entre le 161-49 et d'autres porte-greffes doit nous inquiéter? Alors, personnellement, je ne suis pas forcément spécialiste du matériel végétal, donc ça aurait plus été une question à destination de typiquement de Laurent Anginot, hein, à l'échelle du partenariat. Je pense que ceci étant, oui, ça peut quand même nous inquiéter, parce qu'on a quand même un parent qui, notamment hein, si on fait référence au riparia, qu'il y a quand même des sensibilités qui peuvent inquiéter dans ce sens-là. Donc, j'aurais tendance à dire oui, ça peut. D'ailleurs, on sait qu'on a quelques situations d'épérissement sur SO4, par exemple, hein, qui sont déjà décrites. Donc, ça mérite en tout cas qu'on s'y intéresse et qu'on se penche dessus, je pense. Une autre question, là aussi sur le sol et sur les racines, une différence de sensibilité aux nématodes serait-elle une piste? Alors, c'est vrai qu'elle est décrite par cette différence de sensibilité. Maintenant, est-ce qu'en soi, elle peut être explicative? Honnêtement, je ne saurais pas. Véritablement attendu multifactoriel de toute façon. Oui, enfin pour nous c'est effectivement puisque chaque facteur pris indépendamment ne semble pas forcément être responsable à lui seul en tout cas du dépérissement. Il est plutôt probable que ce soit l'agencement de ces différents facteurs qui conduisent à cette expression. Et l'objectif c'est peut-être de comprendre d'un point de vue pondéral quels sont les principaux. Mais là, comme ça et de but en blanc, je ne m'aventurerais pas à répondre sur ce sujet. D'accord. Une question pratique, peut-être plus pour Thomas. Est-ce que l'apport de potasse à l'automne peut se faire sous forme liquide? Oui, peu importe. En fait, la forme liquide, elle est censée migrer un peu plus facilement dans le sol. Les phases solides migrent de 1 à 2 cm par an dans le sol, donc ça reste très très long pour atteindre le système racinaire, même si, comme l'a montré Sophie, le système racinaire il est peut-être pas forcément très profond. Mais oui, une phase liquide, ça permettrait en tout cas de faire pénétrer un peu plus facilement la potasse et de la faire migrer un peu plus facilement dans le sol. Après, on ne sait pas si en soi, ça va fonctionner ou non. C'est pour ça qu'on fait les essais. Encore une question matériel végétal, mais qui sera peut-être une ouverture à la réflexion. Et vous pourrez aussi sûrement trouver des réponses dans les documents qui sont distribués dans ce webinaire. Quelles sont aujourd'hui les alternatives intéressantes à ce porte-greffe, notamment pour les projets de replantation? Alors ça, c'est une bonne question pour Laurent Anginot. On ne peut pas vraiment répondre, surtout que chaque parcelle est particulière. On ne peut pas dire je mettais du 161, qu'est-ce que je mets à la place. On ne peut pas donner une généralité. Donc, c'est propre à chaque terroir. Alors, il y a peut-être des pistes à creuser du côté de l'autre croisement qui pourrait être Rupestris-Berlandieri. Mais par contre, à l'heure actuelle, alors là, Laurent aurait pu évidemment être plus pertinent que moi sur le sujet. Mais il me semble qu'à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de référence, en tout cas, sur le comportement de ces porte-greffes par rapport au Chardonnay ou au Pinot, notamment en Côte d'Or ou en Bourgogne. Donc, mais que ça mériterait évidemment d'être travaillé.
Vous trouverez beaucoup d'infos sur le sujet, sur les porte-greffes et sur les alternatives dans la dernière plaquette du BIVB qui, encore une fois, est en téléchargement ici dans les documents et puis dans les futurs projets qu'on est en train de monter en ce moment pour justement tester des alternatives. Alors, face à la problématique 161-49, mais aussi plus largement dans la perspective changement climatique. Je regarde s'il reste des questions. Avez-vous corrélé la réserve en eau facilement utilisable et le dépérissement des cèpes? En fait, on est en train de travailler dessus. Et comme le disait Pierre-Emmanuel, par rapport aux données, le problème, c'est que pour l'instant, on n'a qu'un seul millésime. Il ne faudrait surtout pas qu'on puisse interpréter les choses par rapport à ce seul millésime, qu'on n'ait pas, voilà, un effet, qu'on soit pas en train de lire un effet millésime plus qu'un effet réserve hydrique du sol, quel que soit le millésime. Donc là, on travaille évidemment sur ce type de caractéristiques, sur une approche plus globale à l'échelle statistique, mais voilà, on ne souhaite pas s'aventurer à donner des indicateurs pour l'instant parce qu'il se pourrait tout à fait qu'ils ne soient pas pertinents. Donc, on préfère attendre d'avoir au moins à minima deux et idéalement les trois millésimes du projet pour avoir un regard un peu plus serein et pertinent sur la lecture qu'on peut en faire. La lecture des résultats, évidemment, qu'on peut faire à cette échelle. Très bien. Peut-être une dernière question. En Suisse et à l'étranger, est-ce qu'on a les mêmes soucis de dépérissement ou est-ce que ce porte-greffe a été délaissé ces dernières années? Alors, il y a les mêmes soucis de dépérissement. Donc, en Suisse, ça a été effectivement décrit. À l'étranger, alors, je pense notamment en Espagne où effectivement ça a aussi été décrit et où l'utilisation diminue aussi. Mais pour autant, en fait, même s'il y a des diminutions, on est allé sur un arrêt de la préconisation d'utilisation et pas forcément sur une origine, une recherche de l'origine ou des mécanismes associés à ce dépérissement-là. Ce qui fait qu'on n'a pas plus d'indicateurs finalement explicatifs. Donc, ce sont des choses qui sont également observées, mais par contre, on n'a pas progressé sur les facteurs explicatifs du dépérissement, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. D'accord, et peut-être une dernière question là aussi pratique pour terminer. Que conseillez-vous pour la taille des pieds dépérissants de niveau 1 notamment? Ben là encore, Laurent aurait pu répondre un peu plus amplement que nous, mais c'est des tailles respectueuses de flux de sève quoi qu'il arrive. Il va falloir vraiment préserver les canaux de sève au maximum pour avoir une alimentation la plus respectueuse possible et la meilleure possible. Et puis, faire attention peut-être aussi à la taille de formation également, en tout cas au départ, pour éviter justement de trop tirer sur ces flux de sève dès le début de la plantation. De monter les pieds tranquillement, quoi. Oui, c'est ça. Très bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous pour vos questions. Et puis, je laisse la parole à Caroline pour clôturer ce webinaire. Je vous souhaite une bonne continuation à tous. Merci pour votre attention et à très bientôt.